Bonjour, je voulais me présenter rapide parce que je voulais me montrer comme une image d'une jeune Syrienne qui arrive de la Syrie, surtout qu'on parle des images aujourd'hui. Alors moi je me suis formée en Syrie, j'avais fait le conservatoire de théâtre, alors j'avais fait scénographie. Puis j'ai tenté aussi, comme tous les Syriens, ils veulent voyager, ils veulent partir, ils veulent apprendre. Des choses qu'on ne peut pas les toucher en Syrie. Alors je suis venue en France pour continuer un petit peu les études. Et là, je suis allée dans la fac et j'ai fait aussi des masters en études théâtrales. Puis je suis allée dans l'école de Beaux-Arts aussi à Rennes. Et là-bas aussi, j'ai découvert l'art et la culture française. Et j'ai découvert combien la différence entre le conservatoire en Syrie et comment nous, l'enseignement chez nous, et l'enseignement ici. Alors j'ai appris plein de choses ici et plein de choses là-bas aussi. Alors j'ai fait cette mélange-là. Et je viens de réussir mon année là. Ça fait juste 3 jours. Ah, bravo. J'étais diplômée. Ça y est. Alors, et je suis aujourd'hui, comme tout le monde, comme tous les Syriens, face à la question, qu'est-ce que je dois faire pour l'avenir ? Revenir dans mon pays aujourd'hui, d'aller dans les camps, rester en France et d'essayer de travailler pour la Syrie. Alors c'est vraiment la question, la grande question. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça aussi? Parce que ce que je veux bien parler aujourd'hui, et ça croise beaucoup avec la question qu'on pose aujourd'hui, c'est l'image. C'est mon mémoire que j'ai fondu avec mon école là cette année. C'était mur d'image en fait. Ça parlait vraiment de l'image et comment l'image, jour à jour, elle sert, mais aussi, des fois, elle fait face contre la vérité aussi. Alors, commençons aussi par la culture émergente. Et ici, ils ont commencé à dire grâce à la révolution, vraiment, on a pu toucher plusieurs arts en Syrie qu'on ne savait pas qu'il y a ses racines parce que c'était juste diffusé en Syrie. Et Syrie, c'est une petite communauté, mais il y avait vraiment l'art aussi en Syrie avant. Mais c'est juste que grâce à la révolution, on pouvait vraiment diffuser et d'être plus libre et dire plus des choses. Et plus clairement, c'est vrai que la diffusion, il est très centré dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et tout ça. Alors c'est pour ça aussi, les images, ils prennent pas beaucoup de chances d'être diffusées partout. Parce que c'est vrai que c'est les médias et la télé qui tiennent le monde. Alors c'est toujours, même avec toute cette diffusion, grande diffusion, nous, ils sont toujours sombres et ils sont toujours, on ne les voit pas trop. C'est juste les gens qui cherchent à les voir, ils puissent les voir. Mais ils ne sont vraiment pas encore partout, sauf quelquefois dans des expositions comme celui-là en France. C'est pareil, même celui-là, c'est les gens qui viennent chercher les voir, ils les voient. Alors, je ne sais pas, c'est la question que plus tard, comment on peut faire que nous, on dirige les médias vers nous, vraiment.